Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs. Et aujourd'hui c'est notre émission C-Beta durant laquelle je vous présente un jeu dans ses différentes phases de développement. Et c'est le cas de Age of Wushu, un jeu développé par Snail Games et édité en Europe par J Potato et en Amérique du Nord par Snail Games USA. Le jeu est pour l'instant bien entendu encore en bêta fermée au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais sinon, la sortie est prévue pour l'hiver 2013 de part et d'autre des continents. Et si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit tour dessus, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors, c'est parti. Dans ce numéro, nous allons voir de plus près une des activités auxquelles vous pourrez vous consacrer, hormis les activités d'artisanat ou d'affrontement joueur contre joueur, ou voire même des instances. C'est ce que j'appelle des défis personnels. Je ne sais pas exactement comment, dans la version de G-Potato, ou disons la version française de G-Potato, on appellera cela. Vous avez l'occasion, quel que soit le village dans lequel vous allez venir, vous verrez ce genre de personnage-là. Voyez le grand maître des aventures. Il va vous offrir des l'opportunité. On va dire lui. Il va nous parler des forces de Jiangyu, ou alors des instances interdites. Donc les instances... Attendez, voilà. L'essence, c'est que vous connaissez plus souvent sous le nom de donjon, d'accord? Il faut aller en groupe pour pouvoir le faire. Attendez, on va le trouver ici. La mission. Voilà, c'est ça. Forbidden Ruling Instance. Donc, ce sont les instances et donjons, hein. D'accord? Avec la liste des joueurs. Enfin, pas des joueurs, mais la liste des monstres. Enfin, des boss que vous trouverez dans l'instance en question. Voilà. Et ce dont moi je vous parle, c'est plutôt... les aventures. Donc c'est ce monsieur qui va vous en parler. Donc on choisit ici Tell me about challenging Jiangyu forces. Voilà, c'est là on va en parler. Et donc voici la liste des défis que je peux relever qui sied à mon niveau de progression. Donc c'est-à-dire la réputation que j'ai et puis vous savez, je vais vous montrer exactement comment savoir quel niveau vous êtes pardon. Ici en fait. C'est à peu près votre force. Puisque dans ce jeu, il n'y a pas de niveau en horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas niveau 1, niveau 10, niveau 20, etc. D'accord? Comment savoir que l'autre personne est plus forte que vous? C'est au niveau de sa réputation d'abord par rapport à Jiangyu, donc le monde dans lequel nous sommes. Mais en plus par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt... ça vous indique un peu votre progression au niveau des quêtes de l'histoire, parce que au début vous avez d'abord les quêtes de tutoriel, d'accord, c'est quand on vous guide, et à ce moment là le jeu sait à peu près à quel niveau de connaissance vous êtes, voilà, de savoir. Et là vous voyez que c'est indiqué liking understanding, c'est dit par là que je comprends pas encore toutes les choses, d'accord, voilà, je manque de savoir, de connaissance. Alors qui fait que je suis noob, quoi, voilà, c'est ça le terme, en deux termes, voilà, je suis noob. Ok, donc lui, par rapport à cela, il sait à peu près dans quel endroit je pourrais m'exercer. Donc je peux aller dans la forêt du Tieu des Tianxiang, qui se trouve dans la région de... dans la ville de Gandang. Donc je m'excuse auprès des natifs chinois, je prononce mal les noms, hein, c'est tout à fait normal. Et nous avons la famille Shen, et on peut aller dans Chengdu, ce nouveau village. On va qu'est-ce qui est le plus proche? Non, lui a l'air le plus proche, hein. Je vois les coordonnées. Il faut aller dans Chengdu, d'accord? On va y faire ça. Famille Chen à Chengdu. En fait, il nous indique. Aïe, ok. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais prendre le cheval parce qu'à pied, ça va être un peu trop long. J'ai même perdu mes autres chevaux, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est la bêta, c'est normal, mais. Quand même, hein. J'avais. Ouais, j'ai un compte VIP, on me donne souvent des petits cadeaux. Au début, j'avais 3 chevaux, j'avais montré ça, il me semble. Et il m'en reste qu'un seul, c'est pas, c'est qu'ils ont fait des autres. Ok. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de. Utiliser la navigation automatisée, mais en étant à 2 de cheval. Parce que si je m'arrête, je serais plus dans à quel endroit aller. Est-ce que c'est même indiqué ici? Comme vous pouvez le voir, c'est dans une autre ville, hein. Est-ce qu'on peut. J'ai même pas l'endroit indiqué, quoi. Donc ça va être un peu chaud pour trouver ça, mais normalement je fais ça. On va aller là-bas. Donc on dit on va aller à Jiangyu. Ok. On fait ça.
Voilà. Nous voilà enfin arrivés à l'endroit indiqué et je pense que j'ai pris la région la plus éloignée de là où j'étais. Donc nous sommes ici, à Chengdu. Et voilà le personnage. Attendez, si on regarde la map. Donc c'est au sud-ouest. Moi j'étais là, je pense. Hein. C'est pas grave. Alors. Donc voici le personnage à qui il faut parler pour défier la famille qui se trouve ici. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ils sont assez amicaux. Oh, pourquoi je suis en train de... Interrupteur ? Ok, ce sont les deux là. Donc cette famille là qu'on devra... La famille Shen. On peut le voir, elle est assez amicale. Bon, tranquille quoi, ils vivent paisiblement. Ils s'occupent de leurs affaires. Et vous allez les défier. Donc on va aller leur parler. On va aller parler au PNJ afin de lancer les ventes. Bon, il est là. Ouais, j'ai pris les... Ah, c'est des dégâts de zone en fait. Qu'est-ce qu'ils me foutent ces gars-là. Fais chier. Non, mais tu veux défier quelqu'un, va tuer quelqu'un. Putain, moi j'en occupe d'autres choses. Ouais, c'est ça qui va être chiant en fait. Non, c'est facile de savoir à qui on a affaire. Hein. Il faut juste faire inspecter. Genre, information. Ouais, la puissance expert. Tu vois. Donc, tu peux savoir à qui tu vas affaire, quoi. T'as pas besoin de. D'emmerder les petits. Les petits noobs, hein. N'oubliez pas, j'ai un petit noob. Hein. C'est indiqué ici. Noob. Voilà. Bon. Bon, comment ça se passe? Oh, bonjour aventurier, on va dire. Hein. Okay. Bonjour aventurier. Bienvenue aventurier. Est-ce que vous voudrez tester vos habilités contre l'unique... Enfin, contre les habilités, les techniques uniques de la famille Shen? Je dis oui. Je vais envoyer une lettre de défi au chef du groupe. Et les membres, c'est-à-dire de la famille Shen, qui souhaiteraient participer à ce combat-là, on va dire, viendront auprès de ce monsieur. Et si vous allez trop de la zone, apparemment, c'est carrément un forfait. Bon, je suis prêt. Ah, ok, il faut être dans un groupe. Bon, on va demander à personne. On va faire un... On va voir, peut-être qu'il va nous aider. Inviter dans le groupe, c'est ouf. Ah, mais non! Ah, Jesus. J'ai pas le bouton, peut-être. Ah, quelqu'un dans le groupe, cool. Nice. Allez, c'est parti. Da-da-da-da! Vas-y, envoie le message! Je suis prêt! Oh, ce sont tous qui ont répondu. Jesus. Ok, ah, ok, on choisit. On doit choisir le... Merci. Ok, on va choisir le... On doit choisir un défi. Enfin, celui qu'on va combattre, c'est ça? Le jeune maître, le plus jeune maître, le second... Enfin, je vais dire. Ah non, ok, c'est le jeu qui choisit. D'accord. Oh, merde, j'écris mal moi. Ok, voilà. Ok. Donc voilà, ils sont comme vous pouvez le voir, ils sont tous prêts. Donc, il faut joindre là-bas pour aller. C'est ça. Ok. Donc c'est ça l'objectif. Donc. Attends, on va cacher l'autre. Oh my god. Vous êtes prêts les gars? Ok. Donc on va aller mollo. Merde, ça va. Ah, il a alerté. Stun, vas-y. Allez, frappe. Frappe.
Hop. Bon, c'est un truc de groupe, hein, donc tout seul, ou si on n'est pas assez fort. Voilà, premier éliminé. Bon. Ouais, mais ça c'est les garnis. Je l'explique. Bon, voilà. Alors, on va prendre lui. Est-ce qu'il repop? J'espère que non. Enfin, pas pour les 20. Ça fait penser pour aventure instantanée de Rift, en ce sens que vous pouvez commencer à le faire tout seul et puis d'autres personnes vont vous rejoindre. Là, il faut nécessairement être dans un groupe, bien entendu, pour lancer ça. Parce que. Oh merde, ils sont deux maintenant. Bon, ils sont morts. Ok. Aïe! Vas-y. Frappez. Vas-y, comme ça je mets en mode rage, je vous fais la fatale. Allez. Oh, merde! Ah, il faut. Waouh, j'ai mis mon buff moi. Non, j'aime pas de buff de défense. Yami. Ah merde, merde. Non. Oh, ils sont un peu plus forts que ceux que. Ah non! Barre-toi! Oh, Jesus. Ah, ils me finissent quoi. Ok, j'ai trouvé un groupe. Donc, on va le lancer. Nous sommes deux, l'autre est parti où? Pas pourquoi. C'est pas grave, bon. D'à côté. Et voilà. Attends qu'elle finisse. Ah, moi aussi. Bon, ouais, il y a encore les gars qui sont battus à côté là. Fatigue d'esprit. Ouais, des HL. Ah, j'ai pas fait attention, c'est un peu pas fur en plus. Ils sont drôles. Bah, moi, il y a l'autre qui pouvait pas venir. Je sais pas, peut-être qu'il n'a pas le niveau. Bon, on y va. Que ça va aller mieux. Waouh, elle est HL, regarde comme il est tombé quoi. Allez, on y va, elle est plus puissante que moi. Non, pas contre. Mais prends l'aggro. J'ai pas de prendre l'aggro alors que. Elle est plus puissante. Ok. Non, je la laisse attaquer. Moi, je vais juste frapper. Ok. Nous en va 6 sur 6. Moi je la suis. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, moi je peux pas les tenir tout seul, j'ai pu le voir. Ok, elle va faire des maladies d'AOE de malade. Ouais, une habilité pour ça. Moi je vais passer par derrière. Ah, il repop. Oula. Faut faire ça vite, quoi.
Aucun effet, damn. Comment le dégage fait? Oh, même pas grand chose quoi. Bon. Regarde comment elle télémaîtrise. Oh, faut que je m'entraîne un peu plus. Jesus. Oh, oublie ça. Allez, va sur le toit. Ah, c'est vrai, je n'ai qu'un seul truc, quoi. Oh. Attends, c'est vrai que j'ai mon truc, moi. Voilà, DJ The Boss voulait savoir si on peut se battre en l'air. Voilà. Ça de quoi ça a l'air? Pas très esthétique, mais c'est possible d'une certaine manière. Bon, en fait, il y a des habilités qui vous permettent, comme on a pu le voir la dernière fois, qui vous permettent. En fait, qui vous demandent d'être en l'air, ou alors le mouvement fait que vous êtes en l'air peut vous frapper. Bon, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Ouais, c'est genre, je peux faire un truc comme ça, frapper. Ah, un truc comme ça. Je fais des dégâts de mouche, quoi. N'importe quoi. Ouais, elle a fait sa fatale. Et moi, je n'arrive pas à la placer. Alors, est-ce qu'on a fait 6, 6, 6? On a fini. Il reste Wang Chuan. Et c'est qui? C'est elle? Ouais, c'est lui. Avec la tête de tigre. Yup. Ah, elle envoie des dagues sur les fléchettes pour le provoquer. Comme ça, va pas muter tout le troupeau. Allez, moi je vais aider. Oula! Donc comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas d'histoire de tank, de machin hein, dans ce jeu, il n'y a pas la Sainte Trinité. Donc il faut prévoir tous les trucs de soins, dépendamment du rôle, vous pouvez quand même... Ah, ma fatale, je peux la faire. Ah, enfin. Des petits dégâts, quoi. Oula. Oula. Ouh, je... Ah. Vous avez vu sa fatale? Ah, ça va être chaud là pour elle. Ok, je vais venir, bye. Attends. Ok, on va faire ça. Je peux aider. Je suis soigné. Je suis pas en combat, donc je peux méditer. Oula, elle va avoir chaud. Ah là, il faut être plus nombreux quand même. Hein. C'est un peu plus chaud.
Si j'étais du même niveau qu'elle, on aurait pu faire quelque chose des dessins. Ah. Bon voilà, vous avez vu le principe, hein, c'était juste ça. Moi, je suis pas assez puissant pour pouvoir l'aider. C'est ça que je lui ai dit en fait. Je la remercie. Donc voilà, c'était les défis personnels donc qui ont lieu sur Age of Ushu. Vous devez le faire absolument en groupe ou alors être assez puissant et 2-3 vous pouvez finir ça. Mais comme vous le voyez, elle, je peux pas l'aider vu que je suis pas assez fort. Et le boss, c'est pas une petite chochotte donc. On va pas penser qu'on peut le faire. On a quand même gagné des points de cutscene. Non, qu'est-ce qu'on a gagné d'intéressant là? Mais c'est le jeu qui choisit quel défi, hein. Je veux dire, quel personnage qu'il faudra tuer à la fin. Bon, comment on a eu ça? Voilà. Et voici le résultat. Donc, on a perdu. Ok. On a quand même gagné des trucs, hein, puisqu'on a. Elle. Enfin, pas on. Mais. Elle a réussi à faire sauf que. On puisse quand même atteindre les objectifs, la majorité. Voilà. Donc, on peut fermer ça. Donc, merci à tous de votre patience parce que ça a été un peu long. Et. Donc, on sort de l'instance, en fait. Donc merci à tous de votre patience. Donc on se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao ciao.